Salam alaikum et Ramadan Moubarak, que la paix soit sur vous. Je vais aujourd'hui parler de la prière. La prière est importante dans nos deux religions. Je vais parler aussi en tant que chrétien, mais un chrétien qui travaille avec des amis musulmans et qui reçoit beaucoup de ses amis musulmans, et en particulier sur le plan de la prière. Vous avez un rythme de prière 5 fois par jour, ce qui rappelle chez nous dans les monastères, chez les religieux, la prière 7 fois par jour. Mais chez les laïcs, la prière, elle est beaucoup moins dense. Et le fait que cette prière soit rythmée, eh bien, vient m'aider, moi aussi, dans ma fidélité à la prière. Et le chrétien de base que je suis doit devenir un peu plus un priant, un croyant avec d'autres croyants. La prière, c'est une élévation de l'âme vers Dieu. Elle conduit à l'adoration où le croyant reconnaît tout recevoir de Dieu, dont il n'est pas l'esclave. Il est attentif à lui être totalement soumis. Son âme repose en Dieu. Et comme le disait saint Augustin, un saint chrétien de l'Afrique du Nord, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure pas en toi. » C'est dans les confessions. Alors certes, notre prière, elle est différente entre chrétiens et musulmans, mais elle est pour chacun une relation avec le Dieu créateur, avec le tout miséricordieux. Pour nous chrétiens, elle est communion avec nos frères fidèles à Jésus-Christ. Elle peut être et fait communauté avec les amis adorateurs du Seigneur des mondes. Louis Massignon, qui est un orientaliste catholique et artisan de paix, qui a beaucoup travaillé avec les musulmans, a souhaité le rapprochement entre nos deux religions. Et il disait ceci: nous pouvons donc penser que la prière du musulman pour le Dieu unique et la nôtre se trouve rattachée dans le sens d'une très étroite communion, car s'il y a en effet des différences dans le mode, c'est pour se compléter. La Fatiha est une belle prière et la méditation des 99 très beaux noms de Dieu tout autant. Qui donc est Dieu? On lui attribue la création, la providence, il est l'indivisible, l'inconnaissable, l'au-delà de tout, l'unique, le transcendant, on pourrait allonger la liste. Je vous propose 3 prières chrétiennes que vous ne repousserez pas, je crois. La première, c'est dans les psaumes, le psaume 66. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. En présence de ta force, tes ennemis s'inclinent. Toute la terre s'incline devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Et j'ai pris une autre prière qui était dite par des médecins chrétiens à Bagdad, mais qui soignaient dans des hôpitaux où venaient des amis musulmans et des blessés musulmans. Et c'est une prière inspirée de la prière chrétienne que tous les chrétiens disent, qui est ce qu'on appelle le Notre Père. Il l'avait transformé de cette façon. Les disciples de Jésus disent le Notre Père. Les médecins chrétiens de Bagdad l'ont adopté. En ces mots: Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton commandement règne au ciel et sur la terre, comme ta miséricorde est au ciel, comme ta miséricorde viens sur la terre. Pardonne-nous nos offenses et nos péchés, toi le Seigneur de ceux qui font retour. Et fais descendre une de tes miséricordes, une d'entre tes guérisons sur cette maladie et elle guérira. Et j'aurais terminé en disant que nous organisons dans notre travail
tout au long de l'année des rencontres que nous appelons Ensemble avec Marie, qui sont des réunions de prière, mais aussi d'amitié, et où on écoute aussi des savants qui viennent nous parler. Ce sont des belles rencontres chrétiens-musulmans qui se déploient, puisque il y a 2 ans, on a fait 5, l'année dernière 19, et cette année 26. Et nous disons systématiquement cette prière ensemble, que nous avons préparée ensemble, chrétiens-musulmans. C'est plutôt une invocation, mais nous pouvons la dire ensemble. Ce n'est pas une prière au sens des 5 prières comme vous l'entendez chez vous. Mais je vous la donne. Ô notre Seigneur, toi qui règnes sur toutes choses, gloire à toi le bienfaiteur. Tu es celui qui nous entend et qui répond à notre appel. Tu es le bienfaiteur et le miséricordieux. Que ton amour soit ce que nous avons de plus cher. Donne-nous, Seigneur, de t'aimer ainsi que tes anges, tes prophètes et tes apôtres. Purifie nos cœurs et délivre-nous de toute rancune. Donne-nous d'aller au-delà de nos intérêts personnels, pour n'œuvrer que pour le bien commun. Sauve-nous et répare de ta clémence nos imperfections. Ô Seigneur, c'est dans ton infinie miséricorde que nous cherchons le salut. Toi qui as envoyé Gabriel pour annoncer la bonne nouvelle à la Madone des femmes, sur terre comme au ciel, donne-nous d'aimer la Sainte Vierge Marie Notre-Dame. Ô Seigneur des cieux et de la terre, comme tu as choisi la Vierge Marie, l'élevant plus haut que toutes les femmes du monde, nous te prions de prendre notre pays sous ton aile bienveillante. Prends soin de notre patrie, de tous ceux qui l'habitent et de nos dirigeants. Que la paix et la convivialité règnent en France, en Europe et dans le monde. Ton humble servante, dont l'humilité a traversé les âges, est pour nous un exemple à suivre. Marie, que ton oui à Dieu nous montre le chemin de l'engagement pour la paix. Ensemble, nous prions avec toi pour raviver en nous la mémoire de ce grand jour de l'Annonciation. Amen, amine. Je vous souhaite encore un bon ramadan.